deuxième plateau média de la journée ici en direct des BIS à la Cité des Congrès de Nantes. Un débat sur quel futur pour le Centre National de la Musique vient d'avoir lieu. Et pour revenir sur les principaux enseignements, les principales questions qui ont animé ce débat, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir sur le plateau ici, en tout premier lieu, Fabienne Voisin. Fabienne, vous êtes la directrice de l'Orchestre National d'Île-de-France et également la présidente du syndicat Les Forces Musicales. Oui, merci, bonjour. Gilles Castagnac, bonjour. Vous êtes le directeur de l'IRMA. Et Gilles Petit, vous êtes le fondateur de Little Bros. Vous êtes membre du conseil d'administration du Prodis et puis vous êtes le président du CNV. Ma toute première question pour vous, ce Centre National de la Musique, ça fait un certain temps qu'on en parle, il est sur l'agenda politique et puis ensuite il n'y est plus. Le rapport Mestre l'a remis au goût du jour en 2017, en novembre. Donc, quel est le calendrier actuellement? Est-ce que ça va se faire et dans quel délai? Alors, d'abord, on est assez enthousiaste du fait qu'en effet, le Centre National de la Musique reprend vie, le projet reprend vie depuis que la ministre l'a annoncé en juin 2017 et que le rapport de Roch-Olivier Mestre, qui a été relativement unanimement salué pour sa qualité, a été rendu fin octobre ou en novembre. Et donc aujourd'hui, on est dans la phase va démarrer une phase de préfiguration qui va nous amener probablement vers l'été, dans lesquels les textes législatifs et réglementaires qui devront accompagner la création de ce centre devraient être faits. Et donc cette phase qui s'ouvre est la phase la plus importante, puisque c'est celle qui va définir les contours du Centre National de la Musique, que nous espérons tous et qui devrait voir le jour donc en janvier 2019, si le calendrier est respecté. Alors, vous parlez des contours, justement, de ce Centre National de la Musique. Une question pour vous, Gilles Castagnac. Qu'est-ce qu'il est important de mettre à l'intérieur de son périmètre d'action? Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a déjà, de toute façon, un débat à avoir avec les métiers et les organisations représentatives. Moi, je parlerai plus pour l'aspect mission, hein, étant un organisme. Le rapport a très clairement mis à l'intérieur 5 missions fondamentales pour l'établissement public qui au passage a une ambition de replacer l'État dans un rôle stratégique et prospectif par rapport aux bénéfices de la musique. Et effectivement, le rapport Mestre cite 5 missions fondamentales qui sont l'observation, la formation, l'information, le développement international et le soutien. Et donc effectivement dans ces 5 missions, il y en a 2 qui nous concernent directement, d'ailleurs on est explicitement cité en tant qu'IRMA pour ces 2 missions qui sont l'information et la formation. Et je pense également on pourrait avoir un apport sur les questions d'observation. Au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que c'est un établissement public de cet ordre. C'est une coquille pour mener des actions, une ambition d'intérêt général, et que là, ça peut se nourrir bien au-delà des missions telles qu'on vient de les définir, sur des tas de chantiers qui peuvent être des chantiers de mobilisation et collective avec l'ensemble des organisations, et notamment, comme nous on l'a indiqué, avec une volonté de bien associer les territoires, je crois que c'est un élément important, et de prendre en considération tout le champ de l'innovation dans cette construction. Voilà pour répondre rapidement. Fabienne Voisin, qu'est-ce qui vous paraît absolument indispensable d'inclure dans la mission de cet établissement? Il y a déjà deux choses, et Gilles l'ont dit tous deux, et il y a un moment historique. Historique d'abord parce que si nous souhaitions les forces musicales, syndicats des orchestres et des opéras réunis, des institutions, il faut le rappeler, qui ont été créées par les collectivités territoriales, qui sont très ancrées sur les territoires et qui mènent une mission de service public, c'est-à-dire qui mène la politique publique définie par le ministère et les collectivités territoriales, ont été écoutés. Et c'est la qualité de l'écoute de Roch-Olivier Mestre, des rencontres qu'il a organisées avec les professionnels. À cette restitution, il y a quelque chose qu'on souhaitait, qui a été extrêmement rappelé par la ministre, à savoir, ça ne peut exister que s'il y a un ministère de la culture fort. Et nous dépendons de ce ministère de la Culture. Pour nous, c'est un complément, un outil complémentaire qui vient évidemment sur les missions qui viennent d'être dites.
j'allais dire, réunir une filière pour tout ce qu'elle peut ensemble définir et protéger des plus faibles. Il y a cette notion aussi très, très forte. C'est également travailler pour nous sur l'audiovisuel, sur l'international, sur la transition numérique, sur la formation évidemment, avec une permanence, puisque nous sommes attachés à la permanence, avec donc des contrats à durée indéterminée. Donc c'est évidemment des points d'extrême importance. Les sujets à voir, c'est évidemment le périmètre, c'est évidemment la gouvernance. Et comment maintenant on passe à cette troisième phase, l'annonce, il y a eu les rencontres, et maintenant cette préfiguration qui, comme le disait Gilles, nous avons un calendrier qui va être certes serré, mais nous disons quand même, nous ne sommes pas pressés de faire des âneries. On est pressés de construire quelque chose qui va dire de nous que nous sommes en capacité d'être très responsables, d'être très bienveillants les uns vis-à-vis des autres pour construire quelque chose de durable. Vous parlez de protéger les petits, les plus faibles peut-être, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous craignez ? Je ne crains pas. On n'est pas, je pense, là dans des craintes. Je crois que les choses ont été dites sans tabou. C'est ça aussi qui est très intéressant. Je salue respectivement le travail de tous les professionnels qui ont été assis autour de la table. C'est déjà un point très important, cette richesse et ce cumul d'intelligence pour une réflexion sur la filière. Je dis simplement l'intérêt, c'est évidemment la diversité, le respect de l'expression artistique dans sa diversité la plus large. Et c'est juste pour ajouter sur ce point, c'est que le CNV a toujours été attaché à ça, à protéger toutes les formes économiques dans notre filière musicale, que ce soit des entreprises importantes comme les toutes petites entreprises, qui souvent sont d'ailleurs des entreprises qui sont très proches des émergences artistiques. Et c'est donc fondamental de bien préserver cette diversité, non seulement esthétique, mais également économique. Ce sont des acteurs peut-être très concentrés comme Live Nation qui sont mis en cause dans cette idée. Non, il n'y a pas de. Alors vraiment, c'est très important, il n'y a aucune mise en cause. D'abord, c'est un état de fait, il n'est pas question, on n'est pas dans une guerre là du tout. Il s'agit simplement de dire que s'il y a des concentrations plus importantes qu'il y a eu avant, et on l'a vu dans le disque, il faut qu'aujourd'hui on ait aussi un centre national plus puissant, un établissement public plus puissant qu'il ne l'était avant, pour pouvoir permettre de protéger, d'amortir un certain nombre de contre-coups économiques que ces concentrations peuvent créer. Et il ne s'agit pas de s'opposer les uns aux autres. Il s'agit juste que la puissance publique, dans cette évolution-là, prenne ses responsabilités et mette les moyens en place pour qu'on conserve en France ce qui fait notre richesse dans la diversité, à la fois, je le redis, esthétique et économique. C'est pour ça que d'ailleurs que la construction par les missions et par l'intérêt général est extrêmement importante, dans le sens où elle est dans la transversalité. Mettre l'information au centre des choses, c'est dans la transparence, c'est permettre à tout le monde d'accéder au même niveau d'information. Et cette volonté d'accompagner un écosystème dans son ensemble passe beaucoup plus, peut s'appuyer sur cet outillage qui peut être construit dans tel que le décrit le projet. Je crois que c'est très important. Un autre sujet dont on entend énormément parler dans la filière musique en ce moment, c'est le sujet des droits d'auteur, notamment face à des géants du web comme YouTube ou comme Deezer. Est-ce que vous mettez ça également au cœur de la mission, avoir une rémunération équitable pour tous les acteurs de la musique et notamment être capable d'aller faire du lobbying auprès de ces géants sur lesquels il est très difficile de peser ? À partir du moment où c'est un enjeu pour la filière, ce sera forcément un chantier de travail pour le CNM. Et le fait de disposer d'un établissement public pour l'ensemble de la musique, comme il existe un établissement public pour le cinéma qu'est le CNC, pour le livre qu'est le CNL, c'est sûr que ça permet d'avancer beaucoup mieux armé sur ces questions-là, évidemment. Alors, toutes ces missions sont ambitieuses. Vous avez souligné, Fabienne, qu'il était important de s'appuyer sur un ministère de la culture fort. Se pose forcément la question du financement. Quels sont les moyens qu'il faut mettre au service de cette maison commune de la musique ou de ce centre national de la musique ? Il est clair que le rapport le souligne très bien, le dit extrêmement bien, même s'il ne précise pas ni le montant, ni le niveau dans lequel l'État doit s'engager. Mais il y a un engagement formel de l'État au niveau budgétaire. C'est-à-dire que l'État doit prendre
va prendre ses responsabilités budgétaires au niveau de la création de ce nouvel établissement. Par ailleurs, il y a des taxes existantes qui doivent être évidemment conservées, amplifiées, développées. Il y a des taxes, il y a peut-être des ressources nouvelles à trouver. C'est ce que suggère également le rapport de Roch-Olivier Maistre, en particulier vers les opérateurs des contenus électroniques, etc. Bon, bref, il y a un certain nombre de choses à mettre et ça va être une des missions de la mission de préfiguration. Par ailleurs, je rappelle aussi qu'il existe actuellement deux crédits d'impôt en France, qui sont le crédit d'impôt phonographique et le crédit d'impôt spectacle vivant, qui vient juste d'être créé en 2016. Et ça, il faut également que ces deux crédits d'impôt soient pérennisés dans le cadre de ce Centre national de la musique. Ça va être un des objectifs du centre, parce que là aussi, c'est un acteur, enfin, c'est un outil économique très important pour nos entreprises, et on y sera très attentif. Vous avez évoqué que l'une des missions de cette entité serait de soutenir l'export de la musique française. Est-ce que ça veut dire que le bureau export fait partie du périmètre et des acteurs qui doivent se fédérer ? Alors, à l'heure actuelle, non. Ça n'est pas explicitement dit. Je pense qu'il ne faut pas se cacher que il y a une vocation à terme à ce que les choses soient réunies dans le même établissement. Après, il faut le regarder de manière extrêmement pragmatique. Il n'y a pas de raison à ce qu'il le soit peut-être immédiatement. Encore une fois, ce qui est vraiment très important, c'est que ce Centre national de la musique voit le jour avec les gens qui sont prêts à y être, à l'intégrer, et qu'ensuite, il soit ouvert vers d'autres intégrations et d'autres organismes qui souhaiteront y participer. Et en ce sens-là, encore une fois, il faut être très pragmatique et ne pas mettre de difficultés à la création de ce centre parce qu'on imposerait l'entrée, par exemple, du Burex, qui aujourd'hui n'a peut-être pas intérêt immédiatement à y être et pour lequel il y a encore un petit peu de travail à faire, de concertation, de discussion. Une dernière question pour conclure à chacun d'entre vous. S'il y avait un point que vous voudriez absolument faire entendre, un souhait que vous voudriez émettre pour la création de cette entité, et un seul, c'est toute la difficulté de l'exercice, quel serait-il, Gilles Castagnac ? C'est difficile de le réduire à un seul, c'est une question, je crois que ça a été posé, c'est maintenir l'ambition qui a été inscrite dans le départ et qui a réussi à fédérer l'ensemble de la filière, voire de l'écosystème. Je crois que cette dynamique-là, c'est le point le plus important, c'est compliqué à maintenir, mais c'est ce qui fera effectivement que ça sera important une fois créé. D'accord. Donc garder une dynamique collective et collaborative. Fabienne Voisin ? Je souligne exactement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est évidemment cette notion de filière. Pour ce qui concerne la politique de la culture, évidemment un accompagnement aussi pour aller à l'international, ce qui vient d'être dit, j'allais dire, laissez-moi dire deux choses, la présence aussi sur l'audiovisuel, c'est évidemment extrêmement important pour le modèle que ça peut dégager, et surtout la volonté qu'on a tous de cette accessibilité. Ça passe par ici, par là aussi. Faciliter les ponts avec l'audiovisuel et insister sur l'export. Gilles Petit ? Eh bien, Fabienne l'a dit tout à l'heure, on est à un tournant historique, je crois historique réellement, de la filière musicale. Moi, mon seul souhait, c'est qu'on ne rate pas ce tournant. On l'a déjà raté en 2012 et que cette fois-ci, on ne le rate pas parce que sinon, je pense que le traumatisme sera assez profond et serait assez dramatique pour le développement de la filière. Donc, je souhaite vraiment, en tout cas, qu'on se mette tous autour de la table pour rendre cette création possible et donc dans les délais courts qui nous sont donnés. Et c'est vraiment mon souhait. Voilà. Donc, ne pas traîner et avancer tous ensemble pour Exactement. Faire de cette volonté une réalité. C'est un moment qui, il faut le redire, est tout à fait solennel. Je crois qu'historiquement, on n'a pas vu tous les acteurs de cette filière se mettre autour d'une table pour réfléchir ensemble. Il y a vraiment un côté qui est de dire de ce que nous sommes ensemble, qui est évidemment extrêmement important. Et accompagné par une volonté politique qui, jusqu'à présent, est parfaitement exprimée. Donc ça, c'est tout ça rend les choses faisables. Voilà. Donc des signes extrêmement encourageants. On va suivre tout ça avec énormément d'attention et d'intérêt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Bon séjour au BIS et à bientôt.